bed, I shake my head. I've done this before. So tell me, darling, once again, what you said and what you swore. 'Cause the sight line goes over the tree line, Lord. And it's so much easier letting go. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Vous avez vu, c'est reposant hein, d'entendre ce bruit là. On entend ça la nuit, franchement c'est trop bien. Et moi je préfère quand elle a un peu plus de débit parce qu'on entend un peu plus le bruit et c'est plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, je trouve ça beau. Là ça fait petite rivière. Voilà, et comme vous pouvez le voir, je suis passé sous la tondeuse. Le tracteur tondeuse, on n'a toujours pas reçu la courroie, ça c'est chiant parce que franchement il nous aiderait bien quoi. Là je fais tout à la brouette et à la brouette c'est vraiment pas pratique. Alors ce que je fais, c'est que je fais des tas de bois un peu partout dans la forêt et je viendrai les ramasser avec le tracteur tondeuse plus tard. Donc là, ce qu'on va faire pendant ces deux jours, mercredi, jeudi, on va construire le compost pour le caca avec la sciure, tout ça. Donc c'est pareil, de temps en temps, je garde de la sciure, regardez. Je mets ça dans la petite coupelle qui est là. On la fait sécher et puis ça nous fait notre sciure, donc on la récupère. Et on va faire un compost tout en bois. J'ai récupéré des gros morceaux de houx que j'ai coupé en 2-3 mètres. Et on va construire ça un peu comme... Bon, on va les emboîter, on va faire des encoches à la tronçonneuse dans les troncs. Et on va les emboîter les uns sur les autres, ce qui fait que ça évite de mettre des vis, tout ça. Donc du coup, j'ai fait un accès. Et vous allez voir ce que j'ai découvert. C'est très intéressant. En fait, nous, on a acheté un terrain qui fait 9 400 m², quelque chose comme ça. Et il est découpé en 4 parcelles. Et en fait, vous voyez vraiment bien les parcelles une fois que vous commencez à débroussailler. Alors ici, je suis à la limite d'une parcelle. Là, on a la parcelle du bas. Et elle s'arrête ici. Il y a des cailloux et il y a un chemin. Ensuite, si on continue de monter... On va arriver sur la deuxième parcelle. Et pareil, petit fossé et des cailloux. Bon, cela, faites pas attention, regardez. J'ai l'impression qu'il y a un champignon qui est en train de pousser. Alors j'ai mis les galets pour pas qu'on l'écrase. Je sais pas trop ce que c'est, je suis un peu nul en champignons. Je pense que c'est un cep. On verra. J'ai mis des galets autour pour qu'il n'y ait personne qui l'écrase. J'espère qu'il n'y a pas une grosse limace qui va venir le manger. Parce que ça fait des dégâts les limaces hein, sur les champignons. Voilà, alors donc on continue. Et vous allez voir ce que j'ai débroussaillé. Regardez, je change la caméra. Voilà, donc là, j'ai passé la débroussailleuse. Et là, vous voyez le fossé qui est ici. Voilà, on ne se rend pas bien compte en vidéo. Vous avez un fossé. Voilà, pile poil en face. Là, je suis dans le fossé, voilà, qui monte. Vous avez les cailloux pour bien délimiter. Voilà, donc là, on a un petit plat, un petit faux plat ici. On va faire le compost ici. Comme ça, il faudra monter pour venir mettre la sciure. Et venir mettre les déchets de légumes, la sciure avec les caca, tout ça. On va faire ça ici, voilà. J'ai fait plusieurs accès. On peut passer par là. Et on peut passer par là aussi, voilà. Donc, assez papoté. Au boulot. Voilà mes débuts en rondin. Je viens de comprendre plusieurs choses et c'est très 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 intéressant. J'ai fait plusieurs erreurs. Donc déjà, il faut des morceaux assez gros, de bon diamètre et il faut qu'ils soient quasiment tous bien alignés. S'il y a quelques petites erreurs, c'est pas grave. Mais moi, j'ai des morceaux de bois qui sont vraiment trop tordus. J'ai pas été couper des arbres bien droits juste pour faire ça. Donc là, c'est pareil, je manque de bois. Donc quand on ira en recouper là-bas, j'en garderai des assez gros et puis je viendrai le finir et puis il va monter comme ça au fur et à mesure. Et puis après je lui ferai une petite porte.
On laisse ça comme ça, il y a des choses plus importantes à faire. Au moins on a un endroit là, ça va pas être rempli d'ici demain. Donc je vais anticiper les morceaux qui seront assez gros. Pas du peuplier, pas du bouleau, parce que vous êtes nombreux à avoir dit que ça pourrissait vite. Donc si c'est pour qu'il pourrit en même temps que le compost, c'est pas la peine. Oh, il y a un petit rouge-gorge là-bas, il est trop beau. Et voilà. Je vais garder des morceaux de bois. Et je viendrai le finir. Mais j'ai compris. Allez, on continue, on va voir ce que Charlotte a fait en bas. Voilà, c'est fini. Ah, regardez ce petit rayon de soleil. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas de soleil ici. Rayon de soleil. Calories, combien? J'ai pas fait beaucoup, moi. 18 622 pas. Il est 17, il est 18h. Pas loin de 10 000 pas, moi. Oui, mais je me suis occupée des enfants et de l'école. C'est vrai. Calories? 603 calories. Je ne sais pas combien on doit griller de calories par jour. Si vous savez, dites-nous en commentaire. Combien on doit prendre de calories et combien on doit en cramer pour savoir. C'est où que tu vois les calories? Écoutez, dans tous les cas, on a encore fait une bonne après-midi. Je ne sais pas si on voit en time-lapse ce que ça donne. Parce qu'on a l'impression qu'on a fait énormément de choses et qu'on regarde comme ça, on se dit pas tant que ça. Non? Si? En tout cas, on dort bien fort. Ah ouais, on fait des bonnes nuits. Hein. Oh là 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 là, avec le bruit de l'eau là. Parce que maintenant, on coupe tout le... La nuit, il y a toujours une petite, un petit bruit de convertisseur et c'est trop chiant. Du coup, on a le bouton pour tout éteindre. Que Jeff, il avait déporté. Ça fait clac. Et ça fait doux. Et là, silence complet. Ah, c'est trop bien. On a encore les LED qui fonctionnent, les lumières, parce que c'est sur le 12. Enfin, le 24-12, convertisseur, le petit convertisseur. Et on a le chauffage qui peut fonctionner aussi. On a juste la télé qui ne fonctionne plus. Toutes les prises en 220, donc les chargeurs de téléphone ils chargent pas, mais du coup on les met à charger au matin. Et là franchement, la box elle s'éteint, le frigo il s'éteint, il y a tout qui s'éteint. Pouf, c'est trop bien. Et là j'avoue ça fait du bien. Ah, quoi. Je suis bouillie. Ouais, j'avoue ça fait du bien. Ah le soleil il me brûle les yeux. Et là ça fait donc on est mercredi, jeudi et vendredi, on a 3 jours de beau temps. Et j'étais en débardeur cet après-midi pour vous dire qu'il faisait chaud parce que je me déshabille pas comme ça. Ouais, regardez-les, les moustiques là-bas. Je sais pas si on les voit. On va faire les ouaves. Allez, on vous dit à demain. Allez, ciao, oh. Bye bye. Bonne journée. Je vous dis à bosser. Toi aussi, t'as bien bossé. Oh là 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 là. Salut à tous. Comme c'est trop beau. Et il fait trop beau. C'est trop bien. J'ai une bonne nouvelle. On a reçu la courroie. Et ça, c'est trop bien. Donc hier, on l'a monté avec Théo et Lucie. Faisait noir, on a été faire un tour dans la forêt, ça fonctionne à merveille. Mon petit déj, je mets ma poudre vanille avec du lait de soja à la vanille parce que j'adore la vanille, ça fait plein de vanille tout ça. Et oh là là, qu'est-ce que c'est trop bon le matin! Ben, il est là en fait, voilà, il est là, tout est remonté.
Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à passer la remorque au-dessus de la rivière pour ramener la remorque ici, parce que j'ai plein de bois à ranger. Puis on a une petite surprise, on a Déborah et Yo-Yo, vous savez, avec le bateau, qui viennent manger ce midi. On va essayer de faire une raclette au feu de bois. Alors, pour répondre à quelques questions au niveau du tracteur tondeuse, c'est pas une transmission hydrostatique. C'est uniquement deux courroies. Donc, il y a la courroie du moteur qui entraîne un double variateur et qui va avec une autre petite courroie directement au pont. C'est tout. Il n'y a pas d'hydrostatique, il n'y a pas d'huile. Même dans le pont, il n'y a pas de boîte de vitesse, en fait. Dans le pont, il y a marche avant, marche arrière. C'est tout. Donc, je trouve que c'est ultra fiable, en fait. Par contre, il faut absolument que vos courroies soient en bon état. Celles qu'on avait avant étaient ultra rincées. Donc, du coup, ça ne fonctionnait pas, quoi. Et là, le fait d'avoir une courroie neuve, franchement, vous allez voir, ça fonctionne à merveille. Après, on a eu un petit commentaire qui était très, très juste là-dessus. C'est que le tracteur, il n'est pas fait pour freiner avec une remorque chargée derrière. Donc, on fera super attention. Mais c'est vraiment pour le bas, quoi. Je ne vais pas aller là-haut avec une remorque chargée et m'amuser à descendre ici. Parce que c'est sûr que le tracteur, il va débouler, quoi. Ou alors, il faudrait faire un système de frein sur la remorque ou quoi. Après, on part dans les trucs pas possibles. Mais voilà, c'est vrai que c'est très juste comme remarque. Il faudra faire très attention. Pour les montées, ça peut aller. Mais dans les descentes, on pourra le faire aussi. Mais il faudra faire attention de ne pas prendre une descente en raide et pas être trop chargé au niveau de la remorque. Bon, on va essayer de passer la remorque avec Théo. Voilà, on va chauffer un petit peu quand même le dos, hein, Théo. Ouais, le dos. Des fois, c'est vrai, vous me voyez forcer, mais je force jamais le matin en général. Toujours l'après-midi quand je suis bien chaud. Regarde papa. Les bandits, ils ont dit, il y a un bandit qui a dit que tu faisais 300 watts. Et j'ai demandé dans l'ancienne vidéo en commentaire combien ça faisait à un homme en puissance, quoi. Et il y en a un autre qui a dit un cheval. Et là, tu l'as dit, c'était peut-être un peu plus cohérent en rapport au pouvoir cycliste, ce qu'ils étaient capables de développer, tout ça. Et donc, Théo, il ferait entre 200 et 250 watts. Et nous, on pourrait faire 400 watts, je crois, 400 watts. À la vache! C'est tout? C'est rien? Allez, c'est parti, tu développes tes 250 watts à fond. Bon, bah, c'est le moment de vérité, on va voir si ça va. Hein. Voilà, on emmène le bois mort pour la raclette ce midi. Bon, alors, premier essai avec une remorque chargée de chêne. On verra. J'ai fait exprès de la mettre en surcharge pour voir si le tracteur il y va, si l'attelage y tient bien. C'est le moment de vérité. Je pense que la bougie elle est morte. Hein. Ça, c'est parti. Bon, ça patine un peu. On va essayer de passer par là, prendre un petit peu d'élan. Le problème, c'est qu'il y a des souches un peu partout.
très très bien pour l'instant. C'est parce que je pense que c'est parce que c'est un peu gras. Bon, les enfants veulent qu'on aille là-bas, apparemment ils ont vu un cep. Il est énorme, il est à moins comme ça. Oh là là. On va se péter un champignon. Mais pour tout le monde. Fais voir tes grands cheveux. Comment ça? Waouh, les grands cheveux, Julia, ils sont trop beaux. On va voir le cep? Ouais. Bon, allez, les enfants, ils veulent qu'on aille voir le cep. Bah attendez, Lucas, il ne marche pas aussi vite que nous. Hein. Et bon. C'est sûr que j'ai eu un petit moment de folie, mais c'est pour ça que vous nous aimez. Hein. Et du coup, je l'ai chargé vraiment au taquet, on ne va pas faire ça tout le temps. Mais vous avez vu, niveau transmission, ça suit, parce que même avec je ne sais pas combien de kilos, mais là, il y a pas mal de kilos, hein, c'est super lourd. La transmission, elle fonctionne quand même, vous voyez, ça patine, donc ça veut dire que c'est pas la transmission qui patine, c'est les roues qui patinent. Avec des roues peut-être un peu plus tout-terrain, je ne sais pas si ça existe, des roues un peu plus tout-terrain de cette taille-là. Peut-être des roues de quad ou un truc comme ça, ça serait peut-être plus adapté. Mais voilà, vous avez vu, ça fonctionne bien. Le moteur, il a des petites ratées. Je sais pas ce que c'est ça. Sûrement la bougie. Sûrement la bougie. Et le filtraire est super encrassé, mais je pense pas que ce soit le filtraire. Voilà, je t'attends, Loulou, c'est bon. Je t'attends. On va voir le cep. Allez, c'est parti, nous nous enfonçons dans la forêt. Ça, je m'en lasse jamais de voir ce petit cours d'eau là. Là, imaginez une petite buse ici qui est remplie. Donne la main. Une petite buse qui remplit. Enfin, l'eau qui remplirait une petite buse. Ça serait magnifique. Ah oui, en effet, je pense que c'est un cep. Bah ouais, mais le fait d'avoir débroussaillé, c'est vrai que ça fait voler des spores partout. Ah, touche pas, on sait pas ce que c'est. Tu touches pas pour l'instant, le doute. Il est joli et regarde, si tu regardes ici, sous la feuille. Et pourquoi ils ont poussé, je pense, parce que là ils ont pris un peu le soleil. Parce que papa il a débroussaillé. Tu vois? Donc on n'y touche pas. Je pense qu'il va encore grandir. Je sais pas ce que vous en pensez les bandits. Mais je pense qu'il faut le laisser. On va attendre de voir ce que les bandits nous disent. Voilà, et ben faut pas trop marcher par ici, il va y en avoir plusieurs. Voilà. Les bandits vont nous dire si on peut l'arracher maintenant ou s'il faut le laisser grossir. Parce qu'il a déjà été mangé par une limace ici, tu vois. Ah ouais, il y en a partout en fait. Venez les enfants, on va marcher sur tout sinon. Marchez pas dessus. Voilà, et ben impeccable. Après, papa il va faire des petits passages dans la forêt, plein de petits sentiers, et ça sera les sentiers à champignons. Ça veut dire que tu passeras par ce petit sentier, tu pourras venir cueillir les champignons. Oh, mais c'est trop cool. Parce que pour l'instant, c'est ça, tu vois, tu peux pas marcher là. Voilà. Après, papa il va faire plein de petits passages. Tu vois, regarde, tu peux pas marcher là. Il y a trop de ronces. Après, papa il va faire plein de passages. Mais il va prendre un panier, mais des champignons ouais, dedans. Un petit panier, exactement. Ouais. Mais faut m'en acheter. Ah bah non, on va pas faire acheter des paniers. On va prendre un sac et puis c'est tout. Oui. Bah oui, hein. Papa, il en avait avant des paniers en osier. Voilà les amis, ils arrivent, on leur avait fait une surprise à Théo et Lucie. Ils sont comme des fous là. Là ils sont comme des dingues. Allez, bon bah moi je finis de ranger le bois. Et ensuite on va commencer à faire à manger. Et puis la vidéo se terminera. Vous avez été gâtés quand même je trouve. Hein. Vidéo mercredi, jeudi, vendredi, le live dimanche. On vous a gâtés nos petits bandits. Hein. C'est parce qu'on vous aime bien ça. Oh là 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 là, regardez! Petite raclette au feu de bois et ça fonctionne super bien. Écoutez, écoutez, écoutez. Oh là 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 là! Vous aimez bien les enfants la raclette au feu de bois? Hein? Oh là là, c'est magnifique! C'est magnifique! Bah vas-y, arrêtez de vous bagarrer les enfants! Et là, ici, on a une petite. J'ai mis des petits galets. Si jamais on veut faire griller des charcuteries. Regardez, vous faire voir.
Hop, regardez, là, si on veut faire griller de la charcuterie ou n'importe quoi, des petits légumes, on a les patates qui sont là-bas en train de griller. Autant vous dire que moi, je vais les couper en deux, je vais faire couler la raclette dedans, et là, je vais me régaler. Voilà. Et là, on est avec les copains, je vous avais dit tout à l'heure qu'ils allaient arriver. Bon, Déborah Yo-Yo, les gens, ils nous demandent, faut que vous le disiez à l'écran. Le bateau. Ils nous demandent, mais où il est le bateau? Qu'est-ce qu'ils font avec le bateau? Il est au port à sec, le bateau. Il est au port à sec, il attend. Il va attendre qu'on revienne. Qu'on revienne de où? Ouais, d'Afrique, on va voir. Déjà, vous partez en Afrique, là? Ouais, Maroc, Mauritanie, Sénégal. Après, je n'ai pas tout la liste des pays. Les gens vont dire, ouais, c'est fermé, le Maroc. Ouais, c'est fermé pour l'instant. On verra samedi. Voilà, ils ont de l'espoir. Et normalement... Et normalement, on fait un petit tour là-bas. Et si c'est pas bon, mais... Et puis le bateau, si vous y revenez dans 2 ans, c'est pas grave, c'est voilà, ça? Voilà, c'est pas grave, il est en sécurité, là. Voilà, comme ça, au moins, okay. C'est clair pour les gens qui nous demandent. Le bateau, il est à sec. Il a été hier ou avant-hier, il a tout remis des bâches pour pas qu'il prenne le tout, voilà. Aux endroits où on avait enlevé les planches. Mais voilà, il est en sécurité, il est au sec, et voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus, il peut attendre encore 1 ou 2 ans sans problème. Et regardez si on va pas se régaler. Je me suis là, s'il vous plaît. Ouais. Dans le sens, que les gens y voient, voilà, regarde. Regarde. Oh là 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 là. Là, c'est pour vous appeler, quoi. Vous savez pas comment faire de raclette si vous n'avez pas assez d'autonomie solaire? Eh ben, on fait de bois, regardez. Ça va, hein. Il n'y a même pas besoin des trucs avec les bougies, en fait. Merci, ma chérie. Il est tout souple. Eh bien, voilà, cette vidéo se termine. On a enlevé un gros tas ici, un gros tas de bois. Et on a commencé à nettoyer avec Yo-Yo et Déborah. Demain, on va essayer d'enlever toutes les souches parce que je me dis, en fait, là, on est au bord de la rivière et on peut déjà rentrer le camion ici. Ensuite, on nettoie tout ce qui est là-bas pour que ce soit propre. Et après, l'engin pourra venir pour faire la plateforme. Et là, on a fait chauffer encore un petit feu. Ça fait 3-4 jours qu'on le tient comme ça. En fait, le matin, on a juste à remuer les cendres et puis ça repart. Et on remet un peu de bois. Et ce soir, on va se finir les patates, la raclette. On fait le reste. Je vais aller vous montrer la maison de Déborah Yo-Yo parce qu'ils partent bientôt en Afrique. Donc, ce qui est bien, c'est que ceux qui disent « Ouais, le Maroc, c'est fermé, ceci, cela », eux, ils partent pour le Maroc. Dans pas longtemps, dans une petite semaine, 2 semaines, ils partent pour le Maroc. Et vous pourrez voir sur leur chaîne, oui, mais justement, vous pourrez voir si ça fonctionne ou pas d'aller au Maroc, comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont aller en camping, est-ce qu'ils vont faire du sauvage. Vous pourrez tout voir sur leur chaîne. Ça, c'est autour d'un monde. Attention, c'est parti, voilà. Je fais voir votre maison vite fait, j'ai le droit? Bah ouais, t'as le droit, vas-y. Hein? Vas-y. Voilà. Tadam! Donc ils partent avec une caravane pliante, en fait. Et si vous voulez en voir plus, vous allez sur leur chaîne. Hein. Il a mis un essieu d'utilitaire, donc un truc vraiment costaud avec des grosses roues, tout ça. Et à l'intérieur, ils ont une petite maison. Vous avez un auvent aussi, au cas où? Ouais, mais là, c'est plus avec le 4x4 que tu montres. Ah ouais, d'accord, ok. On fait la démo demain. Ça marche. Non, pas de soucis. C'est... Voilà, la petite poche à eau, et celle-là, elle filtre directement ou vous filtrez encore après? Non, elle prend directement. Et c'est elle qui filtre? Ah ouais? Donc ça, ils ont pris l'eau de la rivière et vous la buvez après? Ah ouais? C'est excellent. Ah d'accord, ok. Il y a le filtre à l'intérieur. Voilà, et en fait ils tirent ça avec le celui qu'ils avaient déjà quand on avait été au bateau. Le Hyundai Galloper. Voilà, tout équipé. Il a sa petite décémale, du gasoil, il y a tout ce qu'il faut, le chat, la glacière ici. Voilà, ils ont vraiment tout équipé. Et là ils s'en vont dans combien de temps vous partez là? Dans combien de temps vous partez? Dans 4 jours? Là, vous êtes quasiment sur le départ, en fait. Vous êtes tout prêt, là, vous êtes bien? Ouais, lundi ou mardi, on est parti. Et tu vas montrer un peu sur la chaîne si ça se passe bien et tout, parce que les gens, ils disent, ouais, pas possible, le Maroc et tout. Bah si, vous allez essayer et vous verrez bien, c'est ça? Oui, c'est voilà. Ça, après, on part et on... Au moins, on pourra dire, ils ont réussi à passer ou pas. C'est tout à fait. Vous avez raison, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Après, soit ça passe, soit ça passe pas. Voilà. Et si ça passe pas, on fera autre chose. Eh ben, on verra. Moi, j'ai hâte de suivre tout ça, en tout cas. Vous voyez, regardez, les petits ont des chambres suspendues en dessous. C'est excellent, c'est trop bien fait. La petite cuisine ici. Et puis, là, vous avez tout, quoi. Ah, c'est bien, vous n'êtes pas obligé de tout ranger quand vous roulez. Vous mettez ici au milieu, vous repliez tout. Et ils ont vite plié ça, franchement, nickel. Hein. Déplié, je veux dire. Les paquets de pâtes, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Impeccable. Voilà. Et bien, sur ce, prenez soin de vous. Gros bisous, à dimanche pour le live. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, quand je vois les copains qui s'en vont bientôt.
Ça démange vraiment. Ouais, la chance, mais on les laisse tous partir. Vous allez au Maroc. On a des potes qui vont en Espagne, on a des potes qui vont au Portugal. On attend un mois et demi. On essaie de finir le camion parce qu'il y a des trucs à faire encore. Et si c'est OK, nous, on fait feu. Voilà. Allez, gros bisous à tous. Bye bye. Ciao.